Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Voilà. Donc la crête hein, à deux avec Totonin qui est revenu. Bien sûr puisque c'est son jeu préféré, évidemment. Bah, bien Évidemment évidemment. sur le nouveau micro, donc vous entendez tout. Vous entendez fumer, vous entendez grincer, vous entendez tout. Allez, Et c'est surtout mon fini. tonote, n'hésite pas à me dire Pensez comment avoir t'en du satisfais. confort, niquez-vous. Ouais, c'est ça à peu près. C'est à peu près ça. Comme d'habitude quoi, dirais-je bien gaming, hein, mais bref. Donc on a Moi, je le pense partir petit. avec Ouais. ce build avec un D538 du coup. Ouais. Et après on a 12 Attends, quoi étoiles que qu'on non. peut mettre dans Wuchu, genre un B131, c'est toujours sympa. Hein. J'ai un B131 et du coup, je vais partir avec le 537 plutôt. Avec le 537. Ouais. Ah oui, parce qu'on n'aura pas les mêmes, c'est vrai. Alors attends. Dans ces cas-là, moi je vais chercher mon veau. Je vais chercher un veau. J'ai pris un veau aussi, j'ai pris le 537. Non. Ou alors je Attends, prends le le 537, t'as pris? 7310, mais j'ai pas Attends, envie. faut pas qu'on se refasse piéger, qu'on se retrouve sans grue. Et justement, c'est pour ça, genre. C'est pour ça que j'ai le B131, j'espère qu'il a une grue. B531. B131? B131. Ouais, il doit en avoir une. Ouais, vas-y, on part comme ça. On verra bien. Advienne que pourra. On est en simplifié là ou on est en simu? Mode simulation. Ok, là on est en simu. C'est bon? Je suis prêt. Ok. Comment on se met pas déjà? Non, je sais même plus. Ah, démarrer en simu. Faut que tu sois prêt. Sinon, ça marche pas. J'étais prêt. Et voilà, ça y est, ça commence. C'est déjà de ma faute alors que j'ai rien fait. Complètement. Alors, on peut se prendre un petit attelage de remorque, petite cuve de carburant, un petit grumier là en plus là si on veut. Je peux Alors. me trimballer combien? 4 points de garage avec ça, alors qu'avec ça c'est 2 points de garage. Pourquoi j'irais me trimballer 2 points de garage alors que je peux en trimballer 4? Regarde-moi ça. Tac tac tac. Attelage de remorque avancé. Voilà. Là j'ai ce qu'il Alors faut. on a deux 6000 deux 6515 et un Ah, t'es déjà sur la carte. A198 pour moi juste à la sortie de la ville. D'accord. Ouais, 2C 75, 115, ok. Et un A968M hein, qui traîne dans le coin. Il doit y Ouais, avoir où un est-ce qu'il y a une garage station paumé essence? là-dedans. Ouais, je vois un garage là-bas où il faut amener 8 points. J'en trimballe 4 avec moi. À la limite, je peux tirer une remorque là qui est juste à côté qui va donc me donner du 2. De plus, est-ce que il était possible avec une Jeep ou quelque chose de trimballer 2 points? Trimballer 2 points. De garage. Je crois qu'avec la Jeep, je peux. J'ai pas de Jeep, j'ai le camion. Regarde, je t'accroche. Avec ça, je peux avoir 2 points de réparation. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut. Bah ouais, parce que je vais essayer d'emmener ma l'autre morte là. Hop. Ok. Je vais troyer ça. On est parti. Normalement je l'emmène là. Pas de bêtises. Ouais. Bon, par contre là, c'est convoi très long exceptionnel. Hein. Je vais enlever mon intégrale et par contre faut absolument que je me fasse. Je vais me faire un itinéraire parce que sinon jamais on va y arriver. Donc là déjà il faudrait que je tourne. Alors attention. Il faut déjà tourner, c'est déjà la crise. J'annonce. J'annonce qu'on voit beaucoup trop long pour pouvoir tourner. À ce point-là? Ah bah t'as vu la taille de mon convoi ou pas? Ouais, j'ai vu. Non mais moi du coup je vais tracer là-bas, enfant. Tac. Et à Ah c'est vrai, j'ai partir de oublié que ce jeu là, c'était la conduite, c'était c'était dans le pas. brouillard. Après c'est dans le brouillard et faut arriver au garage. Mais je pense que tout est une route. Donc normalement ça devrait aller. Bon alors, tourner quand on peut pas tourner. 1, le camion tourne pas, 2, le convoi est trop long.
tarde. Le casque, toute barrière. Cycliste Régis. Ça passe. Hein. On fait des petits serpentins. Ça passe bien. T'en sors ? Ouais, c'est passé, c'est passé. Ce qui risque d'être compliqué, comme d'habitude, ça va être le carburant. Ouais. C'est pas ce que j'ai. On va chercher. Ça tournera. Il n'y a pas de problème. Tout suit, c'est parfait, c'est merveilleux. On est lancé. Hein. On est à fond, on doit être au moins à 10 km. Hein. Ça va. On est presque à l'ennui maximal. Ouais, franchement, c'est monstrueux. Putain, je suis en 3ème là, sur la côte, je suis à 15 km. Ah putain. Monstrueux, mec. 20 litres au 100, 20 litres par minute, excuse-moi. Non, pas au 100, parce que là au 100, je pense qu'on doit être à 120 litres, un truc comme ça. 120 litres au 100. Si ce n'est plus encore, vu la vitesse à laquelle je me déplace. Ah, ça y est, ma jauge de carburant est dans le rouge, officiel. C'est génial. Il est incroyable ce camion, hein. Par contre, pour commencer, c'est toujours un peu compliqué. Mais on avance. Hein. Et on avance avec 6 points de garage. Il est là, le respect. Hein. En fait, j'ai une excellente nouvelle pour les fans, hein, absolument très nombreux et inconditionnels de cette licence. Hein. Bien sûr, j'ai acheté SnowRunner. Je me reste plus qu'à mettre un coup de pression à Antonin pour l'acheter. Antonin achète. J'ai pas 30 balles. Faut que j'attende que le chômage y arrive. Ouais, je l'achète. Ah, parce que moi je l'ai pas acheté à 30 balles. Hein. Moi je l'ai acheté directement l'édition Ultra Collector. J'ai un vrai camion russe qui va m'être livré chez moi. Tu sais qu'en plus ça vaut rien comme. Ouais, c'est ça. C'est 150 balles, tu reçois un vrai. Tu sais, tu penses que tu vas recevoir une miniature, tu reçois un vrai camion russe chez toi. Dans le même état que ceux de... que tu. C'est ça quoi. Le vrai. Tu vois arriver qu'on te livre ton gros camion, la 4 roues là devant chez. Enfin, 8 roues devant chez moi. Ah. Bah, déjà il bouffe toute la rue. Le problème il est réglé. Déjà t'as même plus le droit de rouler dessus, la mairie elle vient porter plainte parce que t'as mis les routes, ouais, avec tes pneus plats. Si le gars est venu le conduire jusque chez toi, bon déjà il y a une hausse de consommation de la vodka en région Île-de-France. Et alors surtout il y a un pic de pollution, mec. Les stations service aussi. C'est ça, toutes les stations service sont vides et il y a un vrai pic de pollution à Paris. Tiens, je t'ai débloqué un véhicule. Merci, le K700 a été déverrouillé. Eh, c'est le tracteur qui sauve les biches des gens, ça. Ouais. Ouais, là je déverrouille le C4300, c'est ça. C255. Pour toi? Bah je sais pas, il m'a j'ai vu apparaître C255. Ah oui, non mais t'en avais un autre. Ok, I have a problem, I got a big problem. Je suis obligé de m'arrêter déjà parce que j'allais beaucoup trop vite, ce qui est un scandale. C'est ça, t'es parti dans la bouse, hein. Ok. Bah de toute façon t'es obligé pour rejoindre la... Ouais, pas de soucis, mais c'est juste que vu que j'étais sans carte, je sais pas trop où j'allais. Bah je crois qu'il... Ouais c'est ça, pour aller au garage, faut forcément passer par ce petit chemin de merde. C'est l'apocalypse. Non, ça va, bah... Tu sais, je vais presque aussi vite sur la bouse là que sur la route. Presque aussi vite que quand je suis en côte. Par contre, on remarque sur ses pattes. Oh, alors ça c'est du jamais vu. Bon. Alors là, je suis bloqué. Ah oui, putain, pétard, je sais pourquoi je suis bloqué. Parce que c'est l'essence. Mais non. La remorque. J'ai une remorque avec des... En fait, qui est ultra basse et qui s'accroche sur tout et n'importe quoi. Je la déteste. Ouais. Je la déteste. Donc je vais être obligé de... relâche le travail. Et j'ai besoin que tu m'attrapes, ouais, ce truc là, en espérant que l'arbre sera assez solide. La manière qu'on promis. Oh, ça tient. Ça tient. Bien joué pour la livraison, GG.
vais relâcher, je vais tenter de reprendre la remorque. Oh, là, ça a l'air d'être ça. Voilà. Voilà, c'est passé, c'est large, large, facile. Je suis en train d'aller, je suis en train de poncer tout le... En fait, je suis en train de t'enlever une couche de pouce. Voilà, je suis en train d'enlever une couche là. Actuellement, je creuse. C'est vraiment les bizarres comme ça. Ouais, mais je vais emmener un caillou là, c'est pas possible. Je transporte un caillou là. C'est les seuls jeux où tu peux détruire des routes sans payer d'amende. Voilà. Faut dire, y a pas vraiment de route. Hein ? Va falloir du carburant à un moment donné. Je sais pas si tu peux nous avoir ça. Je sais ce que je suis en train d'essayer de faire avec les C65000. Les C6511-15, là, bizarre. Il y a beaucoup trop de chiffres. Là, je suis en train d'aller remettre un version. Comment ? Il va me rester plus qu'une minute de carburant. Alors, je suis en cale là. Ok, je suis obligé de m'arrêter. J'ai plus assez de carburant pour monter, ça claque, claque, claque dans tous les sens. Je l'arrête. Je vais faire le moment préféré, bien sûr, de tout le monde dans cette vidéo. Je vais attendre. Et pour l'occasion, évidemment, parce que nous respectons la nature, je vais arrêter mon moteur. Pour une fois ? Putain. Voilà. Et je vais vous laisser profiter des bruits de fond pendant que, évidemment, je fume ma clope. Il y en a entre un qui galère, c'est ça aussi ? Ouais, mais tu fais ça super bien, mec. Tu sais ce qui me manque dans ce jeu ? C'est un spec mob. Ouais, en vrai, ouais. Comme ça, je pourrais dire ce que tu fais. En fait, il manque quelques trucs dans ce jeu. Il n'est pas parfait. Il est bien, mais il n'est pas parfait. Il manque le mode spectateur pour regarder ce que les autres branlent. Et il manque surtout le fait de voir les autres putains de véhicules, ceux des autres. Ce qui sera bien dans SnowRunner. Il y a ça ? Dans SnowRunner, bah, tu vois les véhicules des autres. D'après ce que j'ai vu, ouais. Et il est plus complet, il est plus narratif. En fait, c'est toi-même qui va construire les ponts pour accorder les bouts de map entre elles. Des trucs comme ça. Ah, ça a l'air d'être extrêmement chiant, par contre. Non, ouais, en vrai, il est plutôt cool. Après, on peut toujours te regarder via la carte, quoi. Mais t'es derrière, t'es pas du tout dans le coin, là. Ah, je me suis stuck. Ah oui, ok. T'es genre au garage, quoi. Ouais. En fait, j'ai juste un problème, c'est que je pouvais pas manœuvrer parce que j'ai pris une grosse remorque de carburant. Et du coup j'ai un peu de mal, du coup faut que j'aille sortir mon camion avec un autre camion. Du coup je fais de la camionception. Alors si, il manque d'autres choses dans ce jeu. C'est dommage que tu puisses que te téléporter de camion à camion, que tu ne puisses pas descendre de ton véhicule, avoir une phase à pied, qui te consommerait pas non pas une jauge d'énergie, mais une jauge de vodka, tu vois. Ça c'est un peu triste. J'aurais aimé une jauge de vodka, tu vois. Après, en vrai, je pourrais prendre un camion aussi. Ouais, non, mais c'est bon. Mais bon, je trouve ça plus roleplay de rester dans mon camion et d'attendre que tu viennes me chercher. C'est beaucoup plus... Vas-y, j'arrive, j'arrive. Je viens juste de partir de la base. Quelque part, on fait du avec deux remorques de carburant, j'arrive. Quelle catastrophe. De quoi ? Bah moi, là, je fais du Madrunner RP, mec. Je bouge pas de mon camion, parce que je peux pas me téléporter en soi. Ça serait triché, quoi. Oh, il arrive à toute berzingue, hein. Oh là là. Ah ouais, je suis en 5ème en montée, gros. 6ème. Ah bah moi aussi, je suis en 3ème, mec. Mais bon, j'étais à 15. Ah non, non, moi je suis à 150, là. Voilà, tu vois tout le trajet que t'as fait, là. Comment ? Tu vois, là, tout le trajet que t'es en train de faire, là. Ouais. Moi, j'ai même pas fait ça en une minute.
Ouais, en une minute j'atteignais les 65 là, les C65 que t'avais quittés là, précédemment. Oh là là, le mec il va tellement vite. Le mec Incroyable. il va tellement s'accidenter, il va tellement regretter d'être allé aussi vite. Ah mais attends, on est encore sur un type de map où on va voir des rondins genre 3 moyens, 3 bidules machin là. Oh Ouais. là là. Ah oui, donc on va être obligé d'aller faire toutes les scieries. Oh là là, l'enfer, c'est génial. C'est l'enfer, c'est génial. Ah, il arrive déjà. Dommage quoi. J'ai plus de... J'ai cassé mon Ah, véhicule. ce mec qui veut raccourcir la vidéo quoi. T'as cassé quoi? T'as tapé quelque J'ai un chose? accident. T'as pété ton camion? Ouais. Est-ce que t'es en train de me Heureusement que dire que tu j'avais un peux pas le véhicule de réparer? réparation portative juste à côté de toi. T'as eu la petite roue de Salut. secours qui t'a sauvé là? Non, regarde ce que j'ai là, juste à côté de toi. Remorque de réparation? Ouais. Oh là là. Mec trop Ça bien passe vu. pas. Ah, bonjour. Bonjour. Y a pas un peu de carburant dans ta remorque de réparation? Non, il n'y a que des repas. Je crois que t'es bloqué là, non? Ça a passé! Je te conseille de te treuiller à un arbre ou n'importe quoi. Suis bloqué. Non, t'es en train de faire l'amour à mon camion. Je cherche pas, t'es en train d'essayer de fusionner avec mon camion là. Ok. Alors, ce jeu qui a des contrôles tellement aléatoires, je pense. Ouais, Après, non, je ce jeu pourrais qui a monter K. si je lâche la remorque arrière, je pense. Ah, elle est déjà lâchée. Ok. Alors, mets-moi en vue C'est comme bon, je ça. passe, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je t'ai juste déplacé à 3 cm, c'est ce qu'il y a. Allez, à la prochaine. Je trouve que le jeu est vachement pute sur les dégâts que tu prends. Ah, il est sale, hein. Il fait mal. Parce que là, genre, en gros, si tu veux, genre, ma remorque arrière c'est à tourner. Elle est partie en branle. Genre, elle est partie. Elle a touché la barrière à l'arrière. Donc, c'est même pas mon moteur ou mon véhicule principal, c'est la remorque qui est derrière. J'ai pris 600 points de dégâts instantanés et j'ai pas pris la direction. Ça répare. Oh Michel, ça répare ou pas? Ouais, c'est réparé, mais c'est juste que du coup, comme ça avait cassé mon moteur, bah je me retrouve avec un véhicule empalé sur une barrière. Ah! Tu veux dire qu'on va encore devoir attendre? Non, non, c'est plus débloqué. Parce que les gens adorent déjà. Les gens sont fans. Hop, c'est bon, allez, vas-y, je suis reparti. Alors tu feras attention, il y a un peu de décor autour. Comment ça, un peu de tête? Ouais, je sais pas, il y a des arbres, il y a des barrières, il y a des trucs quoi. Évite de t'éclater, s'il te plaît, à 30 mètres de moi, sinon je te déteste. Non, mais là, faut que j'aille à la station-service, j'ai pas d'essence dans mes Ah, réservoirs. t'as même pas de carburant. Bah non, y'en a pas, ils t'en donnent pas, je te rappelle dans le jeu. Ah ouais. Ah oui, t'es parti en mode double remorque. GG, ça c'est Non. intelligent ça. Ça, le mec il sait quel véhicule il vient dépanner. Ah! Quoi? T'as tapé un truc? Il est pas tout terrain celui-là. Non. Ah, parce qu'elle est dans la boue là, la station là? Bah oui! Elle est 3 cm dans la boue cette salope! Mais genre vraiment c'est juste la station pour faire chier. Ouais, clairement. Je suis Et dedans là. t'es au courant qu'il va falloir remplir deux cuves? Il va falloir venir dans la boue jusqu'à moi? Pose pas de questions s'il te plaît. Ah ouais, non, 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 je pose pas de questions, je te signale juste un fait.
c'est juste un état de fait. Hein. Ouais. C'est pas tout le temps. T'interprètes les informations que je te donne, comme on te semble, comme on te juge. Je vois pas de quoi tu me parles. ça commence à devenir craignos là. Pourquoi? Moi, je sais pas, je te vois plus là, j'ai un doute. Tu serais pas devenu un peu trop lourd pour te tirer de la boue là? Hein? Tu serais pas devenu un peu trop lourd pour te tirer de la boue? Non, j'ai surtout pas essayé. Sur ma caméra, c'est genre, on ne voit plus, puis d'un seul coup, on voit un cassette sang qui passe. Oh, je vois pas de quoi tu parles. Et là, je rigole, ton cassette sang il tombe en rade. Juste à côté là. Non! Carburant! Faut lever la pince arrière, lève la pince arrière. Ça va bien se passer. Ah, le cassette sang, ça ne s'arrête pas. Ah, il y a une barrière ici! Ah, mais je t'ai une pute en fait! Mais vraiment. Mais genre, c'est personnel quoi. Non, non, t'es sérieux? Si seulement t'avais pris un peu plus à gauche. Tu m'as vu me taper la barrière? Mais oui! Et surtout, le poteau empêchait ta cabine de passer. Mais je te vois là, tout le monde te voit, tout le monde te juge, mec. Non, non, tu sais que c'est la barrière qui m'a mis des dégâts? Non, la barrière t'a mis des dégâts, mais non seulement ta roue était coincée contre la barrière, mais ta cabine était retenue par le pylône. Donc tu pouvais pas passer. Ouais, mais ça, c'est un autre détail. Ouais, non, c'est ça. C'était la doublette, quoi. Et là, on va voir le K700 disparaître derrière les arbres, et on ne reverra plus jamais le K700. Et après, on va voir un troisième camion qui va venir. Et le mec va bloquer tous ses camions à la station de carburant. Ne fais pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ah, bah c'est bon pour un début d'épisode, ça, non? C'est parfait. Épisode de 5 heures. T'es au courant que je suis à 70 litres par minute? Ouais, je m'en doute. Hein. Mais t'es en train de tirer un camion, là, ou tu fais quoi, là? Non. Je tire pas un camion, non, vraiment, j'ai que ça à faire d'être allé pour avec le K700. Ah, parce que là, tu vois, ce qui est moche, c'est que je vois même pas la boîte noire de ce que tu tires, en fait. Non, c'est juste que t'es trop loin. Parce que là, on te voit juste en train de ramer du fion à l'infini, là, enfin, de galérer à avancer. Ah merde. Bon, c'est pas grave, je viens de renverser la remorque de carburant. C'est pas. Je suis en train de retourner tous mes camions. Oh, dans 10 secondes, on va entendre. Oh, bon, je vais fumer la clope à côté. Bloup, 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 bloup. Oh, c'est bizarre là, ça coule un peu là. Bon, pff, ouais, je vais jeter ma clope, je vais reprendre la route. Et hop, dommage. Nice try. Allez, il te reste presque plus rien à faire. Courage. Le plus dur n'est pas encore passé. Est-ce qu'il va retourner le camion de carburant? Ah non, juste un camion qui a des pommes. Ah, mais t'as été juste tiré par le cul, quoi, carrément. Ah bah, est-ce que je me serais mis dans le bon sens pour dès le début? Non. Ah non, clairement pas. C'est parce que tu as tapé la barrière parce que t'as mal fait ta marche arrière. Bah oui, non, en fait. Je passe par-dessus. Bah ouais, c'est ce que je vois. Est-ce que maintenant t'es bloqué parce que l'autre marque elle passe pas? Ah oui, très clairement, c'est pour ça que je prends le cassette sans pour tirer. Oh la misère! Ouais, c'est un bon début d'épisode, hein! Ah, ouais, c'est vraiment. Sinon, les gens ne savent pas qu'on joue au bon jeu. Tu sais ce qu'il nous faudrait en plus dans ce jeu? Vas-y. Pareil, dans ce jeu, c'est un mode hardcore qui t'empêche de changer de camion, de te téléporter à l'autre bout de la map. Genre, si tu peux pas te téléporter au camion le plus proche de ta zone, tu sais, autour de ton camion, et bah tu peux pas changer de camion. Et bah le jeu devient impossible pour toi, mec. Ah ouais, non, mais pour moi, c'est fini, mec! C'est bon, y a pas de feu qui sort de mon pot d'échappement, c'est normal. Oh, pour moi, t'es en parfait état. Avec la fin, je ne peux pas te rejoindre. Pourquoi? Le K700 ne veut plus aller par là. Pourquoi il ne veut plus aller? Mais si, il avance là. Bah, le moteur cale instantanément en fait maintenant. Ah bah, stop, arrête-toi. Mais normalement, avec ton C, là, tu devrais pouvoir me remplir là. À quoi que je suis peut-être un peu loin, parce qu'il y a beaucoup de remords. Ouais, non, t'es trop loin en fait. C'est pour ça que je me rapproche. Je suis en train de renverser le Ah, mais attends, machin. Je peux peut-être te réparer, mec. Semi-remorque de réparation, boum. Hein?
Ah non, c'est du réservoir que j'ai là-dessus. Mais je veux pas du réservoir, je veux du attelage de remorque préparé. Merci. Ça va tellement mieux quand t'as plus le lance-flamme qui est activé. Ouais, là tu me racontes ce que tu veux, mais là normalement tu peux me faire le plein. Là. Ouais, non, mais c'est juste pour. Pour. Non, parce que bon. Pas être emmerdé par rapport à qui vont derrière. Livrer un jour. Non. Tu t'espérais ça vraiment? Alors, est-ce qu'on arrive à bouger? Il bouge! Il est en vie! Arrête de spam, je crois que tu me bloques. Ah non, tu es juste bloqué parce que. Parce que j'ai une remorque qui doit s'accrocher à quelque chose. On va essayer de le faire un peu à gauche à droite. Non mais c'est vraiment ma remorque de réparation, c'est vraiment une grosse chaise. Je vais être obligé de relâcher le treuil. Je vais pouvoir me treuiller sur quoi? Ah, c'est chaud. Faut que je me treuille là-bas là. Ouais, vas-y. Ok, stop. Oh là, on est dans un arbre, je peux pas aller plus loin. Relâche le treuil. Treuil-moi ça. Ok. Je pourrais tout simplement hop. Est-ce qu'on peut changer de camion? Oh, il est trop loin. C'est pas RP, je peux pas y aller. Dommage. J'aurais bien aimé. Ça aurait été bêta fun. Est-ce que je peux prendre ce point d'attelage? Ce point d'attelage là. Ouais. Alors celui-là, mais sur l'arbre là-bas. Visiblement le jeu ne veut pas. Vas-y, attache-le trop bien. On peut y retourner comme ça. Ah mais je peux pas détruire, ok. Je peux pas rallonger. On va pouvoir essayer d'écraser cet arbre. Hein. Ce qui est pas possible, évidemment. On va tenter plusieurs manipulations à chaque fois. Auto-brac. On va détruire ça à fond. Allez, essaye de me sortir de là, ça serait bien. Encore, ça touche beaucoup encore. Ça touche encore pas mal. Contre-braque, encore une fois, je suis en train de creuser un sillon, ma main. Oh bah ça commence. Je pourrais l'obliger à ramener son nez vers la gauche, mais putain, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Ah, c'est compliqué. Ça va être compliqué à haut. C'est que j'arrive pas à treuil mon côté droit, je suis obligé de treuil mon nez, c'est chiant. Ok, c'est bon. Ok, ok, on passe, on passe, on passe. Ok, on s'arrête là, on relâche. On va essayer de ramener la remorque. On va perdre la remorque trop loin. Ok, la remorque est au plus proche. On essaie d'avancer, on peut pas. On est donc obligé de relâcher un treuil. On va se retreuil à autre chose. Est-ce que je peux treuil mon côté droit là? Je veux pas, hein. Je veux pas. On relâche un treuil. Tellement lourd là, tu vois, j'ai pas de frein, je bouge pas d'un millimètre. Trop lourd avec une remorque qui prend trop le. C'est bon, j'arrive à avancer là, vraiment. Comme ça, Zinedine.
ça. Alors ça c'est impressionnant. C'est déjà fini, c'est ça? C'était bien, on avait beaucoup avancé, c'était cool. On relâche un treuil. Est-ce qu'on peut se treuil quelque part? Ou alors, est-ce qu'on peut changer de camion? T'as un K700 à côté aussi. Je peux pas, c'est trop loin! Les deux camions sont trop loin. Il y en a un, il est devant moi, il est un mètre trop loin. J'explique la misère du truc, quoi. Allez, c'est de la poêle champ. De toute façon, après la terre meuble, il y a du béton. Vas-y, meuble. Vas-y, creuse, creuse. À le ramener sur un sol à peu près plat. Ok, là ça devrait être bon. Là je vois que j'ai plus besoin de treuil. Ça devrait être pas mal. Oula, oula, oula. Qu'est-ce que je fais? On ramène la remorque au plus proche. Ah. Ok, parfait. J'étais obligé de serrer mon frein à main, c'est très bien. Normalement, ça veut dire que ça roule là. Doucement, difficilement, mais normalement ça roule. Ah, ça... Quand tu n'as pas une transmission intégrale, c'est la mort. C'est tellement compliqué. Même là, tu prends pas. Mais là, c'est chaud. Non, le nid de sapin là. Ouais, le nid de sapin, c'est très bien. Surtout, c'est qu'en réalité, si j'avais pas été gourmand, j'aurais eu le temps là, au lieu de me bloquer comme un as, de faire l'aller-retour avec deux remorques de la fin de l'histoire. Ah oui, juste d'en tirer deux. Ah oui, mais ouais, non, mais attends, j'ai 6 points en fait. Non, j'ai des conneries, j'ai 6 points quand même. Ouais, mais moi j'aurais pu en prendre 4 en fait. Ah, tu avec pouvais en prendre 4 toi? Bah oui. D'accord. Je pouvais prendre 4, donc le problème aurait été réglé en fait. Mais t'as voulu jouer ton PGM encore? Non mais c'est trop bien, on s'emmerde avec ce gros camion. C'est quand même le camion que les gens auront le plus vu en DOD quand même. Je crois. Ouais, je crois. Pas sûr, ouais. Hein, ah non, celui-là et son cousin avec le nez plat, tu sais. Et pas avec une tête de bateau là. Ouais, le. Ah. Alors je vois un P131, est-ce que. Ah, et des loupiotes, ça c'est le garage. Hein. C'est le garage, ça. C'est la victoire ça. Ouais. Regarde. Road to the victory.
c'est vrai que ça c'est chiant ça. Oh. De quoi? Bah en fait le deuxième point pour le mettre dedans, faut que je le rattache, sauf que pour pouvoir le rattacher. Pour pouvoir le rattacher, il faut que je sorte de la zone de garage parce que l'avancée ne me permet pas d'attacher ma remorque, même si le garage n'est pas encore capturé. Voilà, maintenant, attelage de remorque. Non, mais. Non, c'est ça que je. Voilà. Ah, oui. À 4 points, ouais, c'est ça. Je peux transporter du 8 points avec ce gros sac. Je peux transporter du court aussi. Je vais le mettre tout de suite en mode 8 points. Alors. Bon, il est en mode 8 points, lui. Alors, on peut couper les phares. Alors, on peut pas arrêter le moteur. On peut pas arrêter le moteur. On a quoi dans la zone? On a un K700, on a 255 juste ici. 255, il peut avoir une grue, je crois. Pas sûr. Ouais, je crois aussi. Ouais, ils m'ont mis juste avec un petit brumière au moins court, mais je crois que je peux avoir. J'aime bien le 255 et son cousin, le 300, je sais plus combien. Quel nom j'aime bien. Ils sont sympas, ils sont un peu plus légers que les gros sacs et. Ils ont des pneus plats et larges, ils roulent plutôt bien dans la bugasse. Oh, deux dégâts direct vive. Je sais pas, je suis voir que c'est pas. Ouais, je connais. Des fois j'ai vraiment l'impression que le système de gestion du poids des véhicules est vraiment à la masse. Oh là, je suis un peu. J'ai envie de percevoir que j'étais un crétin. Quoi? J'ai oublié qu'en boîte auto j'étais en train de me dire non, j'ai pas le blocage différentiel avec mon camion, je rame d'habitude, ça roule tout seul. Ah oui, mais c'est parce que j'étais en boîte auto. Bah non. Ah oui, parce que c'est 1 et 1 plus, ouais, c'est ça. Ça va rester comme ça. Voilà, tout est fait. Je m'enlève le grumier à boitas. Voilà, le grumier à bois avec du rondin court, je peux avoir sur lui. En sachant qu'on va avoir que du moyen. Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Rondin long, bah bien sûr. Ouais. Est-ce que tu vois là où je suis sur la carte? Je peux regarder tout de suite. Oui. Y a un, ici, à cet endroit-là, il y a un piège, il y a un piège dans la route. Genre, il y a un énorme trou dans la route qui tape ton véhicule en fait. D'accord. Ah, t'es parti chercher les points de vue? Tenter, ouais, chercher les points de vue. T'en as un à ta gauche et t'en as un à ta droite. Je sais, mais là, je suis la route pour aller chercher celui qui est à droite. Pas de soucis. Donc, je vais me mettre le. Pas le grenier, le. Est-ce qu'il y a le truc à rondin court là? Pourquoi indisponible? Ah, parce que j'ai la route secours attachée, c'est ça? Est-ce qu'on veut bien me virer la route secours, s'il vous plaît?
ça. Tu peux transporter combien? 4 points de garage aussi. Ah ouais, les boss. Les boss. Donc, on a dit grue à bois. Et donc, c'est forcément du rondin court que lui peut transporter. Attaché derrière une remorque de réparation, utilitaire. Bravo. Carburant. Encore du rondin court. J'ai rien attaché d'autre pour l'instant. À travers la pampa. Ok, lui il est rapatrié. Le K700. Ok, K700. Ah, le K700 est bien endommagé. Ouais, de base il commençait pas avec. Ouais, il est déjà bien amoché de base. T'as un camion avec encore de la réparation, pas trop loin de la station de carburant. Non, c'est. Non, non. Celui qui avait de la réparation, c'est celui qui est dans la pampa là. Et ce que je vais transformer en grumier en fait. En grumier. Je me suis retourné à côté du point d'observation. Alors ça c'est un peu dommage. Genre j'ai pas le droit d'utiliser mon treuil. Non, si t'es trop retourné en fait tu peux pas allumer ton moteur donc tu peux pas utiliser ton treuil. C'est pas retourné, je suis sur le flanc. J'ai plus aucun véhicule capable d'aller le récupérer. Parce qu'on est sur un K700 jaune de quel. Hein? Un K700? Ouais, mais le K700 il veut pas aller jusque là-bas. Alors attends, je dois voir ce qu'il faut. Je vais essayer de te. D'aller te chercher. Je vais le laisser ici. J'ai mon A469 sur lequel on va mettre un coffre. C'est ça, avec du litre derrière et une roue. Alors dis-moi, où est-ce que t'es perdu toi? À côté du point d'observation, dans la pampa là-bas. Ok, il faut que je prenne la deuxième à droite. Voiture Simon. Fais gaffe là où je t'ai dit pour le piège à con. C'est vrai qu'il patine. Oh, les voitures elles sont tellement nulles à chier, elles glissent partout. J'ai l'impression de jouer sur glace. T'es avec laquelle là? Le petit russe là, la petite Jeep russe. La 469. La A698? Non. Non, A469. Ah, la Jeep, ok. Parce que moi j'ai eu en fait des petites Jeep avec tu sais le coffre de toit que tu peux mettre. Ouais. Celle qui se retourne pour un oui ou pour un non? Exactement. Bah là ouais, tout le poids est sur le toit. En fait c'est ça qui est bien fait, c'est que elle devient ultra nulle si tu commences à la charger. Si tu la charges pas trop, ça va. Ah, devient nulle, c'est relatif. Hein. Si tu mets du poids sur le toit, elle devient nulle. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Enfin, de base, t'as l'impression de rouler un peu sur neige quoi. T'as l'impression que ça patine à fond quoi dès que tu tournes. J'ai l'impression qu'elle drift en fait. Moi je fais drift. Je balance le cul de la caisse. K700, nouveau cheval de Skyrim. Non mais c'est clair. Une en version plus. J'ai monté une. Plus gourmand, plus consommateur. Atteint le point de vue. Bah alors. C'est de la station service hein. Ah le point de vue de la station service que j'ai fait. Avec le K700. Si je dis pas de bêtises, c'est là qu'il faut que je sorte, ouais. J'arrive, poulet, j'arrive. J'arrive pas.
j'ai croisé un tronc, ça n'a pas passé. Aïe! Là, je vois un camion devant moi, c'est un A968. T'as besoin d'un coup de main ou pas? Non, 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 celui-là il est juste bloqué, je vais le laisser bloqué. Ok, bon, vu que t'es transparent, j'en profite, je triche, je passe à travers. T'as suivi la route tout le long, hein? Ouais. Ouais. Et il est bloqué, tu me dis, ton 968, c'est ça? Non, il est juste retourné. Retourné? Ouais, il est juste. L'A 968 là? Oui, le A968. Ah non, il est juste embourbé. Parce qu'il a... Ça, c'est les petites voitures. T'aurais dû me dire, j'en aurais profité tant que ça. Non, non, je m'en fous, je vais la laisser là. Je vais la pousser. Non, bah attends, on risque d'avoir besoin de passer par ici. Ouais, mais je vais la pousser, je la mettrai dans le poussière. Est-ce que je peux pousser cette branche? Ouais, c'est passé. C'est poussé. T'es passé par où à partir de là? Ah bah le virage était avant. Ah bah super. Bon, en même temps, on s'en met pour rien. Je suis pas un gros camion avec trois remorques. On voit bien. Voilà, on passe par là. Ah, ça passe tout seul, incroyable. Super. Et par contre, ça c'est des troncs, c'est déjà plus embêtant ça. Hop, là. C'est tellement agréable de pas s'emborder. Ça change. C'est un véritable gameplay différent en fait. C'est ça, pas au même jeu. C'est vraiment ça, ouais. Vraiment, c'est pas le même jeu. Ok, alors. À partir de là, t'es où? T'as continué tout droit à travers ça. Bah, j'ai fait au plus court en fait. Le truc, c'est que si tu montes dans la. Genre après, je suis monté le long d'une montagne. Et quand je suis passé de l'autre côté, la grue m'a emporté. De son poids. Je suis en bout de ma plan. Je suis pas du tout parti du bon côté. Oui. C'est un arbre. Hein. Okay. Je suis retourné. Mais j'ai gagné. Comment? Je suis retourné. Le petit sapin m'a retourné. J'ai pas l'habitude de jouer avec des voitures trop légères. Bon, on a quoi d'autre? Un 960. Oh, allez, je vais venir te chercher avec la petite voiture bleue. J'ai essayé, ça marche pas. C'est vrai. Étonnant ça. C'est bizarre. Même la stationner en mode dernière voiture de l'espoir juste à côté des HLM. Ouais. Tu veux dire voiture de la Bacrus plutôt? Ouais, c'est ça. Et j'ai un C comme ça là, et j'en ai un autre aussi. Ouais, alors juste devant, on en a deux chacun à chaque fois. Ouais, quoi, ce Mince, mais ils font pas tout terrain. Ah, il a des dégâts celui-là? Ah non, il a pas de carburant. Un truc que je devrais comprendre, on est d'accord que la transmission ça passe toujours par un arbre de transmission, tu sais, genre une sorte de moteur, hein. Tout à fait, hein. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que sur le camion russe y'en a pas un qui passe? Quel camion? Bah, sur mon 131, il y en a pas en fait. Genre, je vois. Alors, les pignons. Si de... tu dois en avoir un, je vois les pignons, tu sais, dessous de.
de la transmission du truc, je vois que ça va jusqu'au milieu du camion et après ça disparaît magiquement. C'est pas censé être un truc énorme justement? Bah non, ça dépend, genre sous le mien il est tout petit parce que en fait t'as deux arbres de transmission sur le mien, un avant et un arrière. D'ailleurs je suspecte qu'il y en ait trois en réalité puisqu'en fait un double arbre entre tes jumelages de roues arrière. Sur tes essieux arrière. Sors pas trop de la route avec ton camion. Non, là avec le mien je vais juste à la station d'essence. C'est celui avec le grenier. Et j'ai pris une remorque de réparation avec moi. Il y a de la répa dedans et je vais aller faire le plein. Et je vais juste à déposer là-bas parce que j'ai déjà déposé mon K700 pour que déjà pour faire le plein de ce propre véhicule avec le grenier parce que j'ai que la moitié d'un point. Et ensuite pour au cas où le K700 serait obligé de se déplacer. Oh là. Ah oui, je passe dans la route de. Ah ouais, quelle route. Ah ouais, j'ai bien labouré la route en effet avec avec mon gros veau là. J'ai bien labouré. Hein. C'est tout à fait. C'est créé mon route. Hein. Ça plonge direct. Hein. Mais le route blanche. On retiendra qu'un seul truc de ce jeu, c'est que les routes sont pourries. Ouais. Non mais c'est bien, ce jeu te rappelle à quel point t'as de la chance en France d'avoir des routes goudronnées. Tu peux revenir sur ton véhicule. Ah, alors attends, je vais arriver à la station d'essence, donc je vais d'abord pousser jusqu'à la station. Vas-y, vas-y. Tellement surlabouré avec l'autre, mais c'est violent. Toi, tu subis pas les labours que j'ai fait, mais moi je les subis quand tes roues sont en dessous du niveau de la terre. Comment tu penses que j'ai bien labouré? Ah, j'ai adoré, j'étais là avec mon petit camion, je roulais tranquille, j'étais peinard, et puis d'un seul coup, j'ai croisé un sillon fait par. Un bulldozer en route. Ouais. C'est à peu près ça. Ce jeu est bien, mais genre le fait que c'est des poteaux en bois russe quoi, sont destructibles, ça m'emmerde pas. Oui, c'est vrai, les arbres sont destructibles, mais pas les poteaux. Ça, c'est très rigolo. Hop, faire le plein. Voilà, j'ai rempli une remorque de répa. Je serre mon frein en main. On est bien. Tu m'as demandé de revenir sur le A469, j'y suis. J'arrive. C'est le 131 qui est là, hop. Ah, t'es pas dans le bon sens, ok. Non mais c'est pas grave, fais-moi rouler. Oui, comment je l'accepte? Oui. T'inquiète, c'est normal. Oh ouais, ça spin me, right, baby, right, home, hein, tout ça. Demandez à faire que tu recules, hein, ma poule. Sinon, je vais pas pouvoir me remettre droit parce que je vais être sur toi. Voilà. Non, tu te calculé. Merci, bien aimé, là, j'ai mis.
Ah oui, bah t'avais de la répa. Ça ne servait à rien que je claque ma répa. Donc là, je sais pas par où t'es allé là. En fait. Oui, par où? À gauche. Regarde. Je suis passé comme ça. Ok, bah attends, j'y vais. Je peux l'accès. Je peux l'accès. Je te bute, je te bute, je te bute. C'est pas une route ça. Là. Hein. Ça, je reconnais ça. Vas-y. Vas-y. T'es monté là? Ouais, je suis monté. Je te déteste. Jamais. Encore un peu? Tu t'es pris pour un tracteur alpin ou c'est comment? Vas-y, et là tu remontes tout droit. Là tu vas à gauche à partir du rocher. À gauche, à gauche, à gauche. Ouais, bah, j'essaye, deux secondes, je suis pas un tracteur alpin. Voiturette. Pétard, mais le par où t'es passé, l'espèce de con. C'est pas possible ça. Vas-y, tu droit un peu. La police. Ça, un peu à droite. C'est à droite? Ouais, attends, je prends un peu de hauteur. Alors, t'es où? Ah oui, je vois le point de recueil là-bas. Ok, c'est bon, je vois ton plantage, ton accidentage. Je pense pouvoir essayer d'accéder à la zone. Je suis à peu près sûr qu'il y avait plus simple. Hein. Ah oui, je vois des roues en l'air. Ah, les miennes aussi, je vois les miennes. Voilà, attention, ah, tu je me redresse, hop hop hop, je peux redémarrer, allez, ni vu ni connu, je t'embrouille. Oui, t'étais pas prêt. Alors attends quand même, parce qu'on est en mission pour le seigneur là. Ouais, ouais, on va quand même déverrouiller ce que j'ai vite fait là. Ouais. Yes, hein, t'es pas obligé de foutre des tours dans des endroits improbables. Voilà. Maintenant, on attrape ce con. Ah non, merde, flûte. Jamais, heureusement. Ouais, je peux. Jamais tu vas réussir à remonter. Alors, c'est toi qui es en train de me tirer, c'est intéressant ça. C'est très intéressant ça. Alors, attends, si, on va pouvoir quand même faire un truc. Tu connais cet ennemi, un délire à toi, comme ça, hein? Parce qu'on va falloir chanter là. Ah, je suis sur un sapin qui va me faire, qui va me renverser, évidemment, encore, le deuxième, la revanche. Ah non, mais, ah oui, t'as carrément la grue et tout, là. Oh. Ah ouais, mec, même pour te retourner, ça va être la misère. Ouais, tu vois, j'aurais dû venir avec l'autre. Mais tu peux toujours, hein. Mais attends, je vais quand même essayer avant, on te tire pas tout de suite. On va essayer de te retourner. On va essayer de te retourner, bébé, tu vois. Un truc, ouais. J'ai cassé le tronc, qui me retenait dans lequel j'étais bloqué. Je peux pas te ramener. Alors, éventuellement, vu que tu veux pas partir dans ce sens là, est-ce que si je te tire ici, j'arriverai par la magie de la sorcellerie ancestrale à te faire bouger? Bon, la pédale. J'essaye de tirer mon avant pour que tu sais, genre, ouais, on va essayer. En fait, mon véhicule a l'air de vouloir tourner sur lui-même. Essaye de braquer tes roues dans l'autre sens, s'il te plaît. Je peux pas tourner les roues. Ok. Je vais monter avec le carbone, je vais juste me tirer avec toi avec le troll. Oh, les économies de carbone, j'adore. Hop. Sors-toi de là. Allô, mon jeu a craché. Ouais, c'est ça, FTF4 encore. Oh la belle mentalité, hein. Ah mais attends, ça veut dire que toute la game est baisée là? T'as baisé toute la game là? Qu'est-ce que t'es en train de dire là? Je crois. Non, je suis là. Ok. Ah, ça démarre. Vas-y, prends poulet, prends. Je pense qu'on peut, on peut te sortir de là. Tu pèses 25 tonnes, espèce de con. Alors attends. Je vais faire un move. Je vais faire un move où je vais me caler derrière un arbre.
comme ça, tu seras obligé de tirer l'arbre avec moi. Je serai retenu par un arbre. Alors attends, je lâche le trail. C'est pas pratique. Attends, 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 je peux me remettre. Comment je change de vue? Je suis bloqué en vue interne. Le bumper gauche de ton. Ah, c'est de ta manette. Ok, ok, ok. Donc là, normalement, j'ai deux sapins sur les côtes. Non, mais... Ah, il glisse trop! Putain, infernal! Bon, on va y aller comme ça. D'y aller comme sinon ça. On écrit véhicule perdu et puis c'est bon, on s'en marre. Hors de question. Ça ferait un épisode beaucoup trop court si on acceptait que tu restes planté là. Attends. Tu vas venir ou merde. Sinon je te rentre dedans. Stop, stop, ne bouge plus. Ne bouge plus. Tu veux pas braquer tes roues déjà dans l'autre côté à chaque fois que tu me gonfles? Ah, le bras de grue, évidemment! Putain, mais quel génie! C'est maintenant que tu y penses? Non, c'est juste que je pouvais pas démarrer mon moteur et l'utiliser! D'accord. Ah oui, donc tu voulais que je te soutienne légèrement pour pouvoir allumer ton moteur? Et bah voilà, t'es débloqué, ça me fait plaisir. Je te conseille de redescendre par là où je redescends, ça a l'air d'être le plus simple. Actuellement, j'ai cassé une. Actuellement, j'ai partiellement cassé ma. Oui. Mais ça va, il doit être. Je peux pas. Ah, ok, c'est bon. En fait, j'avais glitché une. Tu sais, j'essayais de me pousser avec les ancres au début. De grue. Et il y en a une qui est passée sous la carte et qui a décidé que elle était bien sur notre carte. Ah. Qu'est-ce qu'on met en... Alors, j'ai deux troncs longs à récupérer ici. Oui, mais est-ce qu'on peut récupérer des troncs? Ça fait combien de troncs? Bah, aucun. Moi, je crois, non? Ah, il en fait que deux, mec. Ah, bah, c'est 6 points. Faut qu'on calcule avec tous les rondins qu'on a sur toute la carte. T'en vois combien, toi? Pour l'instant, je suis en train de rouler. Et vu que je suis en 1 plus, est-ce que je ne reviendrai pas sur la carte? Je profite du fait de pouvoir rouler. Rejoindre une route civilisée à. Je lui ai dit, tiens, si je te mettais dans cette 15 troncs au lieu de ta route. Et puis alors, bien fat et bien surélevé, comme ça t'es sûr de pas passer avec ta mobilette. Ta mobilette de l'extrême. Oh, c'est passé quand même. Putain, ça m'a mis un stop, mon gars. Ça t'a mis un stop. Ah, t'es juste derrière moi là? Ouais, attends, mais par contre, je vais aller me mettre au bon port en fait. Derrière. À la collecte de bois, ouais. Je pensais que c'était plus long, mais non. Mais ça va la pile de bois quoi, y'a un mec hein. Il jette son bois au milieu de la route, s'en va les coups. S'en va la rachasse. J'ai retrouvé la route! C'est vrai? Ouais. Je suis trop heureux.
Bah, la station d'essence va faire un peu. Moi je trouve. Voilà, 2 litres par minute, non mais quel rêve! C'est incroyable, hein. Je savais même pas que ça pouvait exister. Je pleure, c'est magnifique. Non mais sans déconner, depuis tout à l'heure je prends mes dégâts qui sont de 35 pour ma consommation. Et je me dis, c'est bizarre, elle aussi pas. Je suis tellement habitué à conduire des super lourds qui consomment des quantités monstrueuses. Après, du coup, mon œil il s'est porté sur mon nombre de litres restants. J'en vois 50 et quelques. Oh là, je consomme quand même beaucoup là. C'est bizarre quand c'est, même. C'est vraiment psychologique. Hein. T'as défoncé la route, espèce d'enculé. Comment ça? Avec une Jeep? T'as, avec ton petit 4x4 de merde, t'as tellement creusé que quand j'ai tourné pour y aller avec mon. C'est pas possible, c'est 6065. Tu dis de la bêtise, je te crois pas. Ah ouais? Tu es sûr que tu mens? Ah ouais? Et mon, tu crois que ma route est enfoncée à 95% sous la route? Elle ment elle ou pas? Elle a l'air très précise à 95%, t'es sûr que c'est pas un peu des cracks? Hein, moi ça ressemble à un mytho, bah, ça. Disons que quand il reste que le truc pour boucler la route qui dépasse, non. La faute de mon petit 4x4. T'es sûr que c'est pas la faute des troncs des rondins de bois là? Je suis un peu nerveux sur les accusations. Tu jouerais pas à mon gosse par hasard? Bah ouais, c'est clair. Oh, c'est juste de l'extrême. Oh, incroyable, ça se conduit pas. Hein. Insupportable. Là. Oh ouais, mais là c'est compliqué. J'ai fait le plein de ma soupe là sur le toit. Ça y est, c'est reparti pour tanguer dans tous les sens. Si tu veux, j'ai un K700 un peu plus loin. Tu peux aller chercher. Qui est cassé. Tu veux que je te dépanne un K700 avec mon petit A669? Il est où? Il est pété où ton K700? En route pour l'autre point d'observation. Ah. Donc après la station service, c'est ça? Oui. Il est cassé ou il est renversé, c'est quoi? Il est cassé. Cassé? D'accord. T'es dans la pente Patrix ou... Ou la route non, est accessible? Non, regarde, je suis là. D'accord, bah écoute, je viens te dépanner tout de suite. J'ai un petit C255 avec tout ce qu'il te faut, mon ami. Par contre, faut que j'enlève le frein à main, sinon ça marche pas. C'est dommage. Putain, ce jeu, quand ils décident qu'il y aura des trous au mètre carré, putain! Et alors, au mètre carré? Mais même, même ton prof qui t'a mis 1500 lignes à faire, il est conclu, quoi. Bah, c'est pareil pour le jeu, il a fait. Bon, je vais mettre les. Attends, divertis les gens. Oui, Adrien? Comment? As-tu de la vaisselle? Je sais plus, je crois pas, j'en sais rien. Il te reste 3 secondes. Bah, il y avait le couvert qu'on m'avait donné qui peut repasser au lave. Hein. D'accord. C'est tout. Que faire? Tout. D'accord, tu vas pas lui prendre? Non, c'est maman et papa qui me l'avaient remonté avec. Les raviolis que je dois manger, c'est celles qui sont dans le. Exactement. Ok. Parfait. Bon, bah, écoute, donc je suis là. Bon, bah, des bisous. Ouais, j'espère que t'as bien diverti les gens. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai craché. J'ai entendu. Non, t'es pas sérieux là. Ce jeu d'une stabilité monstrueuse qui me déconnecte. Ouais, je suis pas sûr que ce soit le jeu. Hein. Allez, monte dans ton K700. Le dépannage est arrivé. Alors, il vous faut quoi, monsieur? Peu de réparation là. Ah, merci. Ne bougez pas, monsieur. Faut un petit peu de carburant, monsieur. Merci. Allez, cassez-vous, monsieur. C'est bien aimable, taxi. Excusez-moi, hein, je suis en train de travailler. Du coup, faut que je ramène cette remorque à un garage pour la recharger en répa. Ah, bah, je vais prendre le garage de la route parce que je vais dire, ouais, dans celui d'à côté, la flemme. Voilà, je continue.
celui pour monter dans la route. Très bien. Excellente idée. Chef. Merci de cette suggestion. Jameson. T'as un Shinai national qui est en train de camper dans les savants. Il n'a pas ce superbe jeu. De toute façon, ça joue que. Ah non, ça joue pas à 2 aussi. Non. À 3, tu veux dire? Ouais. Si, ça joue à 3. 4. N'est pas élitiste. Tout le monde ne joue pas au meilleur jeu de simulation de l'ennui mais... et de l'entraînement maximal. J'ai que des rondins longs, gros. Bah, c'est parfait. Bah, moi je peux m'équiper en rondins longs si besoin. Je crois. Ah non, je peux m'équiper qu'en moyen sur le grand. Sur le gros, ouais. Mais par contre, je peux prendre directement 8 points, hein, sûrement. C'est-à-dire que je peux faire les deux trucs de rondins moyens là, on charge et c'est fini. Hein. On va voir. En fait, on choisit pas les rondins. Non, ouais, les rondins sont présélectionnés, c'est ce que je te disais. Là. Ça te casse le cul. Il y aurait deux sites de collecte et un point de vue. Non, mais le mec est monstrueux. Là. Ouais. Ah, là, t'as fait tous les points de vue, non? Ouais. On n'a pas le succès de tous les points de vue. Ça a été viré le succès des points de vue ou c'est quoi hein? Non, c'est une carte DLC, mais il n'y a pas ça. Ah ouais, alors, une tiers. Moi j'adorais quand je faisais tous les points de vue en scred, d'un seul coup je collais un AVC à Bob, c'était génial. Ou inversement. Hein. D'un seul coup il fait le dernier point de vue, tu sais, dis pas tu vois, le gars qui est parti faire le dernier point de vue, et puis il te colle un AVC, est-ce que tu tapes une grosse musique rock là au milieu comme ça? Hey, il y a un bus au milieu de ma route là, c'est quoi ça? Ça. Ah oui, c'est ma voiturette. J'ai rien vu. Bah, attends. J'aurais pu l'emmener avec. Attends, touche pas de là. Tac. Comment on allume les phares? Je me souviens plus. La gâchette en haut à gauche. Ah, merci. De rien, je t'en prie, ça me fait plaisir. Voilà. Je me mets là. Ça prouve à quel point on joue souvent au jeu. Ah bon. Changer de camion. Ouf. Hop. Mettre un petit. Voilà, on est bien et on est reparti. Petit convoi. Petit convoi jusqu'au garage. Très très bien. Je pourrais mettre des phares. Ça fait que 1h30 qu'on est sur cette session. Mais c'est incroyable. Ouais, non, c'est on commence à speedrun du jeu. Hein. Ouais, bah, attends, on n'a pas encore chargé un seul demi-rondin. Hein. Ah, c'est vrai. Et t'es là, on a pris nos marques, on a débloqué un garage, c'est tout ce qu'on a fait. Hein. Non, on a fait tous les points d'observation en 1h30. Oui, c'est vrai, t'as fait tous les points d'observation, j'ai rien fait. Ah, si, j'en ai fait un du coup. Ça monte tout dépanné que j'en ai fait.
100 points de réparation après un virage. Je peux aller avec une petite remorque. Pour le plaisir de le faire. Est-ce que t'avais besoin encore que je te dépanne quelque chose? Je sais plus, non? C'est bon? Non, non, je suis en train de galérer à essayer. De... me manœuvrer pour positionner la remorque longue avec un véhicule qui est pas adapté à ça en fait. Alors j'ai un point de collecte avec trois rondins moyens sur la carte, un autre avec trois autres rondins moyens et tous les autres sont vides pour moi. Ouais. Ouais, tous les autres sont vides pour moi. Donc en plus de ça, on ne voit pas les mêmes. Non, c'est déjà le même problème sur toutes les autres cartes. Maintenant. Ce qui est ultra chiant. Ils peuvent supporter un grumier, les gros nuls là, les camions de la route là? Non. Ah ouais, si. Si, non, oui, peut-être. Faut savoir. Je sais, une grue ou pas? Un grumier, enfin oui, une grue, oui. Non, je crois pas. Ce qui veut dire qu'il faut que je me déplace avec mon C255. Très bien. Donc bah, c'est parti, hein. Petit GPS, hein. Clic gauche, clic droit, hop. Va falloir charger du bois à un moment donné, hein, sinon hein, cet épisode il va faire plus de 2 heures. Il va faire plus de 2 heures. On a déjà speedrun une carte, je crois, en plus. Ouais, on a déjà speedrun une carte. Mais attention, speedrun à notre manière, c'est-à-dire qu'on a pas mis 6h30. Ouais, on a pas trop bien speedrun par contre la première carte que t'as faite, ça c'est. Celle où tu sais, t'as retourné strictement tous tes camions. Et voitures. Et plus si affinité. Enfin, tout. Non, j'ai pas tout retourné. Je vais tout accidenter. Nuance. Ouais, grosse nuance. Hop, 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 hop. Allez, bouton. On braque. Parfait. Bah non, on va se mettre la tuque. Basculant au plus intérieur un petit peu. Voilà, avec ses tableaux de bord haut de gamme. Ça par contre le mec quand même il aurait pu faire ça, hein. Il aurait quand même pu reprendre son jeu pour essayer de faire un petit peu vite fait des tableaux de bord quand même. Des JPEG. Bah parce que là c'est vraiment la méga flemme. Là le tableau de bord, quand tu vois la qualité qu'il a mis dans les véhicules et que tu vois ça, tu fais ah là c'est la méga flemme. En vrai, ouais. Je disais, il y a un truc je vois pas clair. En fait j'avais oublié d'allumer les phares. Ah. Et en vue intérieure tu vois que là, parce que par c'est dégueulasse. Mais on est sur un jeu réaliste et on ne peut pas utiliser le liquide de la glace en sachant que j'ai le balai d'essuie-glace au lieu de la vitre. Sur des oui, si. Sur le C sur 255 c'est ce que j'ai quoi. C'est vraiment la pire de la conduite. Le sommet de la merde de conduite. Ok. Je me balade avec ma petite remorque de répa. On est bien. Avec ma remorque. Ok, là. Quand je dois charger, je charge de nuit. Pourquoi mon projet mine? Pourquoi à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important, je le fais de nuit? Vous avez 2 heures. J'ai peut-être la réponse, mais tu vas peut-être pas l'apprécier non plus. Je pense, hein. Tu crois que j'ai réellement la réponse? Parce que ma vie, c'est de la merde. Parce que mon incompétence, surtout.
Alors, bon, je pense que justement réussir à charger de nuit, bah, c'est un truc de la super compétence. Tout faire en difficulté de nuit, bah, c'est mieux. Ouais, vraiment, tu sais quoi, je vais envoyer un message aux devs et je vais leur filer un chèque, je pense de 1000 boules, pour qu'ils codent une difficulté où tu peux pas changer de camion. Et je t'obligerai à rejouer toutes les maps. Avec les camions vanille. Non, j'ai cassé mon putain de jeu! Bah, je fais quoi là, je le mets comme ça, je sais pas trop ce que je fais en fait, parce que j'ai pas trop de visu sur ce que je fais en fait. Du coup, en fait, et après, je pourrais laisser ma remarque de répas là, hein, et de manœuvrer une fois avec ce merdier. Je sais pas, je suis en train de me mettre dans ce deux. Pas plus visiblement. Ce jeu où tes caméras c'est de la merde quand tu utilises la grue, putain! Ce jeu a une caméra pour la grue. Pour les gens qui n'ont jamais joué à ce jeu, c'est qu'ils ne peuvent pas savoir à quel point elle est frustrante, vraiment. Elle est formidable! Non. Juste que t'es un peu trop nul. Non, elle est infâme. Je sais pas si je peux. Tu peux pas, en fait, tu peux pas décaler ta vue pour regarder ce qui se passe à côté. Non, non, tu vas te faire enculer. Genre, si t'as pas le bon angle de vue dès le début, tu vas te faire enculer en fait. Ouais, tout à fait. Hein. Ce que disent les rageux, quoi. Je suis pas un rageux. D'accord. Ouais. Ce que disent les rageux. En fait, ça sert à rien que je me balade avec 8 points sur ce camion. En fait, je viens de m'apercevoir de ça, ça sert à rien. Parce que je vais être obligé de faire 4 points et 4 points. Détache-moi ça. Et en fait, voilà. Le problème est arrivé. Après, je pourrais tirer mon propre carburant. Mais ça voudrait dire que tous les autres serviraient à rien. Est-ce que j'ai pas envie de vous obliger à me ravitailler? Enfin, t'obliger à me ravitailler? C'est une belle question. Oh, je non, parce que sinon, on va encore aller passer 10 heures. J'adore ça. Tu travailles après. Je me fais porter malade. Attends, là c'est plus important. Game sans fin là. Mec, c'est tellement plus important. Tellement plus important que tout. Est-ce que je vais même pouvoir aller me faire un petit plaisir de ravitaillement en carburant avant chercher mon goût, ce serait tellement l'humiliation par rapport à moi qui galère avec mon putain de camion à essayer de les placer dans un camion qui ne roule pas. Ouais, moi j'ai fait la connerie de partir avec ma remorque de repas sur un endroit qui me paraissait déjà lourd. Bon, après, je peux toujours lâcher mon en vrai, je suis pas dans l'embarras, mais tant qu'il fait le jour pour pouvoir manœuvrer, je t'en lâcherai même. Découvrir ses propres sillons, il fait ah oui, c'est vrai que c'est profond. Ah, c'est profond. Ah ouais. Ah ouais, c'est bien profond. Faut serrer à droite sur la route, faut pas serrer à gauche. Enfin, faut serrer à gauche, ça dépend de quel sens tu viens. Eh, tu veux pas remonter dans ta remorque de carburant là, me filer un peu de carburant là. Eh, étranger là. Merci. Sinon, j'allais être obligé d'aller à la station de carburant, c'est triste. Merci à toi. Bonne soirée, amuse-toi bien. Ouais. C'est une remorque de Boilon que j'ai au moins, rassure-moi. Je. Celle de Boilon, c'est facile, c'est une grande tige au bout avec, avec jus de bar. Ouais, qui est pliable. Oui, elle est pliable. Oui, j'ai découvert ça plus tard quand j'étais. D'ailleurs, je savais plus comment on l'appelait. Mais oui, elle est pliable, tout à fait. Oui, non, mais le boost plie en fait pour t'aider à te pencher sur les terrains, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ce genre de choses, quoi.
fous-toi pas de ma gueule, s'il te plaît. Ça me dit que mon camion actuel ne peut pas transporter ce type de chargement. Bien, c'est que tu n'as pas le... C'est que tu n'as pas une Apollo. Tu l'as déplié, t'as bien une longue tige derrière ton véhicule. Oui. Et à l'avant, t'as bien un grumier qui est un grumier de bois moyen. À l'avant, pas un bois court. Oui, comme un grumier, comme ce qu'il y a derrière la grue, la mienne, quand tu mets une grue. Tiens, quand t'as une grue, ta grue, elle est à l'arrière de ton véhicule ou elle est à l'avant de ton véhicule? Non, 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 tu comprends ce que je veux dire. Genre, quand ta grue, elle est au milieu derrière ta cabine, t'as un truc derrière. Oui, c'est ça, ok. Donc en gros, t'as 4 barres sur les côtés, c'est tout ce que t'as, quoi. Ouais. Une plaque en métal, quoi. T'as une plaque en métal, une barre qui peut tourner, et une grande remorque derrière. Ouais, normalement, t'as un remorque. Et normalement, t'as un remorque. Si elle est vraiment grande, la barre, sinon, ça c'est juste la barre pour avoir du moyen. Faut vraiment qu'elle soit longue, la barre, hein. Mais elle est longue la barre, putain, parce que mon rondin de bois long passe dessus. Intégralement. Ouais, est-ce qu'il dépasse de beaucoup ou pas? Genre un mètre. Ouais, non, t'es en bois long. Non, t'es en bois long. Je dis bien normal, parce qu'il n'y a pas d'envie de dans la face. Bah, faudrait que tu viennes voir pour confirmer, mais normalement, ouais, quoi. Change de camion. Hop, on va tirer. On va tirer comme ça, tu vois. Ça celui-là aussi. On est où? Ok, je suis en place. Où est-ce que tu te caches toi avec tes véhicules? Où est-ce que le serveur de jeu me bloque surtout? Non, je pense pas. Pourquoi? Bah, si, parce que actuellement il m'a encore dégagé le camion là, je te vois pas. Oui, parce que le jeu m'a dégagé la partie encore. Encore? Non, mais si tu veux pas jouer, mec. Faut... Non, parce que si tu veux pas jouer. Bah, c'est pas mon problème en fait. Je suis là, c'est bon. Je suis super. Hop. Alors, je suis rien. Camion qui faut 80 mètres pour tourner, enfin à 90 degrés, il faut 80 mètres. Ouais, ça, c'est vraiment compliqué de faire tourner ce coup. Pousse un peu de bois là, tu peux pousser un peu de bois.
C'est un peu dur comme contre-braquage, mais on aime le style, on aime la volonté des collègues. Faut pas qu'on laisse ça. Parfait. T'as réussi ? Non, j'ai une alternative. Alors, attends, où est-ce que t'es ? T'es là. Est-ce que tu veux que je vienne te voir avec un camion ? Non. Ça, mais par contre, si t'as un camion qui peut transporter du bois long, je veux bien. Eh bien, je peux faire ça. Vas-y. On se retrouve sur la grande route. Tu vas me tester. Là. Pourquoi ? Ah, sur la grande route ? Parfait. Parfait. Bah, enfin, si je survis jusque là-bas. Ah, tu vas emmener tes petits troncs un par un ? Ah non, j'emmène les deux d'un coup et ils sont tout en haut du mât. Et le mât, je l'ai mis le plus haut possible. Ah, t'es en train de te balader avec les deux troncs pincés sur la même grue là. Donc, ça va. Oui. Et bien sûr, pour que le jeu ne comprenne pas ce qui se passe, j'ai mis le bras le plus haut possible histoire que le point de d'équilibre central du véhicule n'existe plus pour le jeu. Et ça marche. Enfin, presque. Eh oui, je crois que t'as un grenier sur ton camion, tu dois avoir un grenier pour bois moyen à l'avant et un long à l'arrière. Or, tu dois avoir en fait l'alternative avec une remorque. Enfin, tu vas voir quand on va se croiser. Je crois que c'est là qu'on doit se croiser, c'est ça ? Ouais, c'est là qu'on doit se croiser. Je t'attends ici. Ouais, j'arrive. Faut me donner un petit peu de temps parce que ouais, pas de soucis, pendant ce temps-là, je vais charger mon équilibre est précoce avec ce monde de branches. TKT, je charge un autre camion. Ah, j'ai un nouveau point de collecte qui est apparu. Attends. Oui, bah oui, puisque... J'ai que des rondins. Et sauf que le prochain, il est sur l'île. Il va nous falloir des sous-marins pour aller chercher. Bah, tu rigoles, mais moi aussi, il faut que j'y aille. Oh, il y a 4 moyens là-bas. Je suis loin de la grande route ou pas ? C'est pas la gueule ça. Déplacement vertical. Oui. Le déplacement vertical. Il est cassé. Je peux plus me déplacer à la verticale. Il est cool ou c'est comment ? Quoi ? C'est quoi le problème ? Il y a des petits bugs hein, sur la gueule. Ah, j'ai presque plus de carburant, t'apprends. Ça oui. C'est bien dommage. Tu veux me dire qu'il faut que je vienne te dépanner moi ? Alors c'était censé être toi qui avait un carburant. C'est ça que t'es en train de me dire, Jack ? Non, je dis juste que j'arrive près de la route, que tu peux te mettre dans ton véhicule histoire que je te pose. D'accord. Parce qu'à un moment donné, j'ai cru que tu chouillais parce que t'avais plus de carburant. Je ne vais plus avoir de carburant, non. Tu peux te ravitailler ou c'est. Oh ! Je tombe ! C'est dommage, un Timber on dit d'ailleurs. Je déteste ce jeu, j'ai passé des trucs, c'était terrible. Hop là, remets-moi la grue, normalement on fait changer de canon, pouf, pouf, hop, on se met comme ça. Ah, les rondins sont pas droits. Ça, c'est embêtant. On va poser bien droit. Okay. On va passer par la carte pour changer de camion parce que si on met un moteur en même temps, ça me fatigue. Donc. Qu'est-ce que je vais faire ? Hop, hop, hop.
presque. Ouais, presque. Presque, en vrai, pas mal. Voilà, ça passe. Bon, le jeu est ok. Tu me dis quand est-ce que tu veux que j'aille dans mon camion? Quand tu veux, hein, c'est que tous les cas, je suis plus du bon sens. T'y es ou pas? Ouais, ouais, j'y suis. Ok. Dans mon camion. Salut! Ah! Et t'es bloqué comme ça, c'est ça? C'est un Timber, ouais. Ah oui, d'accord, ok. Qu'est-ce que je vais te dépanner avec? Non, trop léger. Parfait. Est-ce qu'on peut transporter sa propre grue et avoir une remorque de bois lourd derrière? Ah, tu veux dire avec du bois dans ta grue? Ouais. Non, genre si j'ai un grumier, est-ce que je peux avoir une remorque de bois lourd? Et transporter du bois lourd? Ça dépend du modèle que t'as, mais oui, il y en a. Genre mon 131. Tu peux pas avoir un grumier plus du bois lourd, si c'est ça la question. Ah, ok. C'est forcément un grumier à bois lourd que tu dois posséder. Avec sa remorque à bois lourd. Et pareil, normalement, pour la plupart des camions, c'est un grumier à bois moyen plus une remorque pour le bois moyen. Et c'est uniquement les super lourds comme le gros là que je traîne qui peut supporter directement deux remorques de bois moyen parce qu'il est trop fat en fait. Il est beaucoup trop fat. Ah la super dépanneuse. Trop lent pour accepter là. Bah en fait c'est surtout que le système de caméra pour accepter me casse les couilles. Cliquer 42 fois de la souris pour accepter ce serait chiant. Ah mais parce que tu utilises la souris. C'est pas la souris. J'ai retombé de l'autre côté. Hein. Non. Ok. Si. Si, si, au revoir. Ouais, parce que t'es chiant en fait. Parce que tes bouts de bois te font te baldinguer en fait. Donc, là. Maintenant. Je veux que tu démarres ton moteur et que tu rabaisses ta grue. Que je rabaisse ma grue. Abaisse-la, elle est beaucoup trop haute. Du coup, elle bouge ton centre de gravité de ouf. Redescends-les. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais te lâcher. Je vais déplacer mon véhicule. Et je vais t'amener le transporteur sous le musée. Ne bouge pas à gauche. Ça arrive. Tu vois, c'est pour ça je pense que tu pouvais pas avoir de bois long sur toi. Non, c'est pas celui-là qui transportait. Non, c'est l'autre que j'ai amené. Et t'avais un grumier comme moi dessus? Ouais, tout avec comme toi. Avec une seule barre? Tout comme toi. Tu veux peut-être que j'avance encore un peu? Non, faut juste que je trouve quelle est la touche pour pouvoir tourner ma. Ouais, ça. Voilà. Je cesse attends, de faire attends, avant de me poser ton bois.
Les scieries elles sont derrière. Laisse-moi me repositionner. Je vais mettre dans le bon sens. Parce qu'après manœuvrer avec celui-là, je le sens pas trop. Mais je crois que j'ai cassé ma grue. Hein. T'es endommagé, t'as des dégâts là ? Non, j'ai fait bugger ma grue. Parce qu'en fait, il lutte constamment pour tourner. Si tu veux. J'ai nulle part où attacher un treuil là. Vraiment. Putain, mais ta mère! Putain, mais c'est trop le jeu! Il a encore craché! C'est pas le jeu hein, qui crache, hein. Je veux dire que moi je ne crache pas. Je pense que ce serait peut-être temps de dire que ta machine c'est de la merde. Non, c'est ce que je fais à altab. Il crache quand je fais un altab. Et bah fais pas des altab, espèce d'abruti! Ton film porno il finira de se télécharger tranquillement, t'as pas besoin de vérifier tout le temps. Mais. Y'a pas de mec qui tienne. Même quand j'ai fait shift tab tout à l'heure, il a craché. Et bah tu fais pas shift tab. Voilà, t'as perdu. Non, le tronc bullet jeu des grands. Putain, ta faute, hein. Et j'ai fait échappe. Pourquoi tu fais des altab? T'as pas besoin de faire des altab. Y'a personne qui te part, t'as aucun ami sur cette terre. Pourquoi tu pars? Alors, je vais me placer sur le tronc. Comme ça, je serai au plus proche de toi. Tu m'emmerdes. Non mais après j'aurai juste à décaler quand tu m'auras donné le trou. Tu vois, mais comme ça je suis positionné. Et parce que toi tu peux le récupérer, le tronc me traverse, ne l'oublie pas. Je peux tricher dans ce jeu. Dans ce jeu formidable. Là je suis dedans. Non. Non. Toujours pas dedans. Là t'es pas mal hein. Là. Ouais. Là, faudrait l'amener un peu plus vers l'avant. Donc à gauche. Petit coup à gauche. Voilà, parfait. Là tu peux le relâcher. Tu peux me le donner. Alors je crois que c'est moi qui dois te le demander, je crois. Je te le demande. Voilà. Et comme ça tu peux récupérer ton autre tronc tranquille. Pendant ce temps-là, bah moi il bouge pas. Normalement tu le tapes pas, je crois. Je peux pas taper dedans. Non. Bah parfait. Donc tu peux traverser. Et normalement tu peux pareil traverser mon véhicule. Non, je peux pas traverser ton véhicule. Enfin non, mais ce que je veux dire, ton tronc va traverser mon véhicule. Ah c'est oui. Pas grave, attrape-le, tire-le déjà. Voilà, ramène-le vers la droite. Ah, est-ce qu'il faut que je bouge? Est-ce qu'il faut que je bouge? S'il te plaît. Merci. C'est pas le moment de tout foutre en l'air. Voilà, je vais reculer tout droit. Est-ce que tu arrives à attraper ta saucisse là? Est-ce que t'arrives à t'attraper le manche là? Ouais, vas-y, passe-toi le manche. Voilà. Faut le secouer un peu. Et ça donne de la sève à ce qu'il paraît. Moi je sais pas. Et les gens racontent que ça donne de la sève. Qui s'appelle Dario Kezak, évidemment. Donc tu vas réussir à le mettre la saucisse là dans le trou là? Les bonnes blagues de camionneur. Hein. Les bonnes blagues. Bon bah deuxième clope hein, oh merde hein. Oh merde. Qu'est-ce qu'on se fait chier sur cette vidéo? Heureusement que les gens sont partis depuis longtemps hein. Encore. À partir du moment que t'as retourné ton premier camion, ils sont barrés. Parce qu'à chaque fois je demande genre, par exemple, si vous êtes encore là au stade de cette vidéo, laissez un petit commentaire juste pour nous signaler à quel point vous vous emmerdez. Ça nous ferait grand plaisir. Vas-y tu peux Je peux te le réclamer. Oh il est bien droit en plus, il est pas mal. Hey, regarde ça. C'est une blague. Mon camion était équipé exactement pareil et je pouvais pas le faire. Ouais, c'est peut-être parce que t'avais fait altab. Hein. Arrêtez de faire des altab. Non, encore. Je suis en altab. Je risque de tout. Par contre, je m'arrête ici, moi. Hop, parce que je switch sur mes camions. Hein. Figure-toi que j'ai d'autres camions qui transportent du bois également. Et tant que j'ai mon K700 dans le coin, ça m'intéresse de savoir si je vais avoir besoin de lui ou pas. Ah, dégageons ce tas de bois. Si je creuse avec ce canon, ça n'a juste pas de sens. Ça. En train de me dire que tu es en train de brûler la nature. Je suis. Alors, non, parce que finalement, déplacer de la terre, je suis pas sûr que ce soit vraiment brûler la nature. Je laboure la terre. L'herbe poussera mieux, les arbres également finalement.
là tu peux planter un champ. En fait tu peux suivre mon camion et je... en fait derrière mon camion il faudra un distributeur de graines. Mais tu plantes des champs derrière mon camion, y'a pas de soucis mec. Y'a aucun problème avec ça. C'est beau hein. Mais... bon. Quoi, t'as encore retourné ton captar? Tonin, as-tu encore retourné ton camion? Non. C'est vrai ce mensonge? Oui. Donc c'est un vrai mensonge. Donc t'as retourné ton camion? Non, je ne l'ai pas retourné, je l'ai embourbé. Nuance. Parce qu'il y a plus qu'à 700 dans le coin, si tu veux. Non, c'est pas celui-là que j'ai retourné. C'est que j'ai embourbé. Ah, c'est celui que j'entends klaxonner, là? Non, non, c'est ça, l'autre. Je fais le succès de klaxonner pour les autres. Ah, ok. Regardez le jeu, t'as éternué devant, tu t'embourbes. Voilà. Ah, parfait. Bah, je suis en train de trimballer 10 points là. Jusqu'à la panne de carburant. Ouais. D'ailleurs, ce serait bien que tu sortes ton camion à carburant là. De... Je peux pas. Il est bloqué, définitivement. Mais t'as pas un K700 avec lui? Non. Attends, je vais t'envoyer mon K700, je vais te dépanner parce que. Non, mais j'ai mon K700 à côté. C'est juste que le jeu a décidé de m'enculer jusqu'au bout et que. Ce véhicule-là, tu sortiras. Non, je veux pas le savoir. Tu vas le sortir parce que moi, je vais avoir besoin toujours de carburant du côté des Syrie. Moi j'assure du point de côté collecte des systèmes de carburant, mais toi tu t'assures de l'autre côté. C'est bien beau que je roule avec le gros là, mais faut pas assurer. C'est ravoli. Hein. Est-ce que c'est là que je sors? Ouais, c'est une série. C'est ce qu'il va falloir que je fasse. On enlève ça. Bon,
j'ai bouclé une série. Ouais, il faudrait vraiment que quelqu'un qui arrive en fait. Tu me dis si t'as besoin que je vienne te chercher. J'y vais. J'y vais, si le jeu me permet, j'y vais. Que j'y aille. Le carburant est inflammable. Ça, c'est une blague. Alors en réalité, pour être très précis, hein, si jamais ça intéresse des gens, l'essence est explosif et le gasoil est incendiaire. Si ça intéresse. Merci, Zoro. De quoi? Merci, Zoro. Non, ma formation de conducteur anti-incendie. Ah ouais? Ouais, c'est une blague. Ouais, on apprend vraiment des trucs. Hein. Formation anti-incendie. Je sais effectivement que le gaz boit le gros et que l'essence explose. C'est pour ça qu'un bon cocktail Molotov en fait un mélange des deux. Avec bien sûr une plus forte dose de gasoil que d'essence. C'est comme ça que le cocktail Molotov peut mettre le feu. Sinon il ne fait que exploser. Terroriste, faites des molotovs et buvez-les. Avant de les jeter, contrôle qualité. Si vous êtes terroriste, autant que vous buvez un cocktail molotov, ça perd. Si vous êtes terroriste, buvez votre cocktail. Voilà le message, je crois. Ah, ok. C'est incroyable des messages comme ça. Vraiment très loin de tous ces youtubeurs avec leur message de paix et d'amour. Vraiment. Tu crois? Vraiment, hein, c'est pas très mainstream ici. Ouais, il faut que j'aille en face là, comme ça là. Oh bah, j'espère que ça passe. Oh, le niveau de l'eau. Oh, ça passe. Ça passe parce qu'il est vraiment fat, hein. Par contre, mon C255, je suis pas sûr qu'il m'est passé. Hein. Je suis pas formel. Je suis pas formel du tout. Parce qu'on a rien à foutre qui passe quoi. On va. C'est juste le camion qui passe. Parce que si lui passait pas bien, ça passerait. On va peut-être le casser de sang. Et encore, il y a des douces. Ouais, c'est ça. Oh, bien sûr. Ça c'est une idée de génie ça. Bon du coup tu joues tout seul c'est ça? Comment ça je joue tout seul? Non? Comment ça je joue tout seul? Non c'est ça le coup du jeu? Pourquoi je joue tout seul? T'as peut-être encore du poids long à faire. Mais ouais mais je te rappelle que je peux pas faire. Prends ta grue, même système, on se rejoint à la route. Moi j'ai déjà replacé mon camion sur la route hein, justement pour te dépanner. Hein. C'est
Là, moi, je vais juste chercher du moyen. Hein. Je suis juste en train de mettre le gros en place. C'est ce qui se passe. Hein. Et je vais devoir me galérer avec le C255 pour aller chercher, pour traverser la mer. Merde, moi. Ouais, si tu veux venir charger le gros moyen. Tu t'es trop serré. Non, j'arrive, c'est bon, je suis en train de. Je sais pas, hein. C'est comme tu le sens dessus. Hein. C'est juste que je continuais dans notre lancée, quoi. Et donc, du coup, on parlait du fameux C-255. Qui va d'ailleurs bah, d'abord pouvoir démarrer. C'est pas le camion qui a servi au Ketusha. Qui a servi quoi? Au Ketusha. Au Ketusha. Oui, c'est les camions lance-roquettes russes de la zone. C'est rien. Tu me poses une question, mec. Vraiment, les gars. Pareil, hein, même système, je pense que je tiens à en revoir par le coup d'abord, et puis on emmènera. On la chargera normalement. Je sais pas, cette vie sur la gueule. Si j'ai mis avec Narfang, c'est l'île du sud hein, sur laquelle j'avais des rondins. Long. Ah, c'est sur une île encore? Je te déteste. Du sud, tout au sud. Hein. À côté du garage pourri. Sinon, derrière la station essence, j'en ai aussi. Sud, côté garage machin. Le sud, c'est par là. Ah, c'est sur la petite île en haut, oh là là, à côté du garage, c'est ça? En bas. Y a pas de route bitumeuse là pour y aller, c'est ça que t'es en train de me dire. Ouais, ou alors il y a celle en dessous de la station service. Celle en dessous de la station service. Ah, c'est. Là où j'ai mon K700, t'en as un à droite. Ouais, non, mais je vois. Je pense que c'est plus simple pour toi, parce qu'il n'y a pas de route non plus, mais ça va être plus simple, plus droit pour toi pour me l'amener jusqu'à la route, parce que moi mon camion il quitte pas la route. Hein. Hors de question, mec. Camion, tu te démarres. Je te connais pas. T'as un problème là? J'aime quand t'es sur la route et que tu mets un coup de gaz avec ton camion et que comme t'as des trucs là pour faire le terrain, ton camion commence à taper les drifts. Mec, j'ai posé ton 65-115 là, avec sa remorque. Pour moi, ta remorque, elle est renversée au-dessus de ton camion. Oui, attends, regarde. Je sais ce que je l'ai rangé. Je peux la replier. Ok, d'accord. Mais regarde, attends. Juste, je vais la déplier. Tu vas juste me confirmer que c'est bien une remorque à bol. Avancer. Ouais. Depuis tout, replie la remorque. Yes. Faut que t'avances. Là. Ouais, t'es en bois long comme moi. Ouais. Voilà. Et je pouvais pas la porter. Parce que t'étais de travers. Ou alors t'as. Ah, mais parce que t'avais peut-être encore le bug. Je sais pourquoi. Je cherche pas. Vas-y. T'aurais jamais dû replier ta remorque.
Je l'ai jamais replié. Et je l'ai fait juste là pour sortir de là où j'étais. C'est sûr. Hein. Oui, je te promets. Là, t'as exactement le même camion que moi, je crois, avec. Ah oui, on a tout pareil. Drift. Des drifts de ouf, quoi. Souci sur la vitesse, enfin la vitesse et les couples sont bien gérés, hein, mais vraiment dès que la conduite, dès que tout le reste est lâché, en voilà. Puissance, en fait il y a plus rien, quoi. Le jeu c'est plus rien géré, en fait. Le jeu gère très bien la conduite coupleuse mais pas puissante. En fait, il n'y a pas d'entre-deux dans le jeu. C'est soit t'es à pleine balle, soit t'avances presque pas. Oui, mais ça. Si jamais t'es entre les deux, t'as plus rien. Le jeu, c'est plus ce qu'il faut. Et pleine balle, rien, plus rien n'est gérable. Voilà. Mais là, il sait ce qu'il fait. Hein. Il sait que t'as plus rien de couvert. Et puis des fois les véhicules ont de la reprise mais genre sèche, tu sais pas pourquoi. J'ai lâché mes rebords si tôt. Alors, arriver en 5ème dans la boue sans descendre intégrale, c'est pas une bonne idée. Là, ça se passe tout seul. Hein. De mon côté, la vie est simple et facile, hein, parce que je ne fais pas de la table, donc du coup, ça se passe tout seul. Heureusement que j'en fais pas d'ailleurs, parce que si je crachais, la game serait foutue à chaque fois et reprise du game. Moi je suis juste parti chercher les deux rondins longs, du coup essayer d'être transporté comme tout à l'heure. Yes. Ah si, le tac de rondin à prendre, t'es sérieux non? Il est risqué avec la tête en bouffe. Alors Nulos, t'es sorti ou pas? Alors McFly. Bien sûr. Hein. T'es une mauviette. Sinon, que maintenant, il y a quand Crusader King 3 Crusader King 3 Osef. Osef est total. Hein. Même si, honnêtement, très très complet, tout ça, quoi. Osef est total.
J'ai pas envie de... Pourquoi cette grue de merde fait ça? Pourquoi quand je dis je veux que t'ailles plus haut, elle va pas plus haut? Et elle commence à pencher vers le bas. C'est très très chelou. Je comprends pas. Et non, ouais, Cruiser Door King... Non. Je pense qu'il faut abandonner certains jeux trop en kit de la base du jeu. Et surtout trop... trop random. Trop random du Stunfest à l'infini. Enfin, moi je me connais avec la chance que j'ai, tu commences, ton dirigeant est mort. C'était bien, merci. C'était bien. C'est un jeu en vrai que je qualifierais de très rigolo. Qu'est-ce que je fais là? Je suis pas méchauffé. Je trouve que les commandes de grue répondent quand même moins bien que sur l'ancien. Ouais, j'ai l'impression. C'est pas qu'une impression. J'ai l'impression qu'il y a eu une mise à jour, c'est jouer à ce jeu, maintenant aller sur l'autre. Ouais, ça va pas loin d'être ça, ouais. C'est vraiment la sensation que j'ai, hein. Très forte. Je sais pas pour toi, Knarpan, mais... On est pas loin, hein. On est pas loin d'être là-dessus. Hop, changeons de camion. Dernière série d'ailleurs, parce que je vais m'approcher plus de la dernière série. Touk. D'ailleurs, je vais passer comme ça. On va visiter plus en avant la carte. Mais c'est sûr, c'est ça. Intérieur, c'est un cauchemar. Ah ouais. Le truc, c'est qu'il s'est même pas fait chier, mec. Tu joues à un jeu où tu voudrais jouer à la première personne, t'as pas le rétroviseur en fait. Mais surtout, ce qui est fou, c'est que tu te dis franchement, mec, pour avoir fait ça, à quoi ça sert d'avoir codé la première personne en fait? Faut que je tourne en fait. C'est un peu oublié, monsieur. J'aurais dû en profiter pour tracter mon C250. Ouais, non, ils vont tous aller.
Air Franc, tu vas voir comment tu trimballes les rondins, tu vas rigoler. J'ai vraiment trouvé la solution. Est-ce que je suis en train de te rejoindre là avec le dernier camion? J'essaie de rejoindre la route. Chose qui est relativement compliquée quand 95% du poids du véhicule est basé sur l'aileron. Ouais. Heureusement qu'on n'a pas la machine. Moi, ce que je fais personnellement quand je fais ça, c'est qu'en fait, comme si je me posais les troncs sur moi. Je les écrase entre mon toit et le cul de mon véhicule, tu sais, ils sont en oblique. Mais ils sont écrasés par ma grue, ils sont maintenus et au moins mon centre de gravité ne bouge pas trop. Non, moi là, ils sont écrasés sur mon capot en fait, ça fait que tout le poids est à l'avant. Ah ouais, c'est un peu dommage, ouais. C'est un peu compliqué. Ouais, mais c'est en fait, j'ai pas trop d'autres choix. Si, si, tu pourrais les rabattre un peu plus vers l'arrière, comme si tu voulais te les charger sur toi. Sauf que tu te les mets en traviole. Non, parce que en fait, les rondins tombaient. Je sais trop. Donc pour pas qu'il y en ait un qui tombe par terre, je les ai écrasés sur moi. Heureusement que les troncs ne touchent que le sol et pas les arbres ou le décor. Ou... Ah, ça touche un autre véhicule. La boîte automatique aussi est très mal gérée dans ce jeu. Ouais, mais c'est comme toutes les boîtes automatiques, quelles qu'elles soient dans le monde. Non. Enfin, personnellement, quand je commence à taper une montée avec ma boîte auto, elle rétrograde de 1 ou 2 vitesses. Mais elle ne retombe pas sur la 1, elle me met pas un coup de frein. Parce que là, littéralement, la boîte m'a collé un coup de frein et est descendue en 1, donc je suis passé de 9 à 1. Juste parce que ça montait. Hein. Bon, là, pareil, j'ai relâché. Je suis en descente, j'ai relâché le truc, je suis descendu de 5 à. Oula. C'est déjà pâle. T'es déjà là, c'est embêtant monsieur. Non, je te pousse un peu, casse-toi. C'est très embêtant parce que je trouve que j'amorce un demi-tour. Alors ouais, attends, je vais replier la remorque. Faire comme toi pour le coup. Je ne peux pas trop avoir le choix. Parce que sinon, je vais jamais pouvoir rouler. Je ne devrais pas avancer de trop en fait. Hein. Je me suis juste mis dans la boue, sur le côté de la route, pour que t'aies la place pour mettre à côté de moi. Ouais, mais j'allais dire, je vais peut-être avoir besoin qu'on me traque le fond. Mais non, c'est passé. Est-ce que je vais penser qu'on peut. Faire ça. Rebasculer en boîte automatique. La remorque est relativement droite, faut que je me colle le plus droit possible par rapport à toi. C'est parti, hop, là on tourne. On essaie d'être droit. Ouais, ouais. C'est bien. Tu veux que j'avance encore un peu ou pas? Non, bouge pas. Et bah, je ne bouge pas. Là, t'as l'air de galérer avec tes trucs. Méchamment. Ouais. Je vais pas à te mentir que, comme ils sont tenus comme de la merde, il y en a un qui va forcément tomber à côté. Là, il faudrait. Ouais. Un peu plus, faudrait que t'en pousses un peu plus vers le fond. Ouais, c'est pas mal là, c'est pas mal, ouais, c'est beau ça. Vas-y, lâche tout pour voir. Lâche tout. Y, pour te lâcher, même. Lâche tout. Lâche tout, frère. Moi, je prends celui-là. Voilà, tout l'autre il est passé à travers, c'est lent. Du coup, est-ce que je peux avoir. Ah, attends, faut que je te le réclame, mais le jeu veut. Vous devez placer un rondin de plus. Bah oui, je sais, espèce de con. Ah, mais il veut pas que je te le demande parce qu'il doit être en traviole. Est-ce que tu peux essayer de le replacer, genre pas en traviole? Non, pince-le, soulève-le. Ouais, parfait. Allez, salut, je me casse. On a fini la carte! Ten. Attends, j'ai pas encore livré, mec. Parce que pour aller livrer, faut mettre les pieds dans la boue. Ouais, faut mais t'as un gros truc là-bas pour tirer, non? De quoi? T'as un gros truc pour tirer là-bas, non? Ouais, j'ai le gros. Normalement, ça va bien se passer.
D'ailleurs, j'ai pas positionné le gros. J'allais faire altab, je me suis retenu tellement fort. Pourquoi tu fais des altab comme ça à tout bout de champ? C'est fou quoi. T'as besoin absolument de relancer de la musique en boucle, à vous, c'est ça? Ouais. Putain, vraiment. Pire défaut du monde. Hein. Tu sais que tu fais un mal dingue à ton processeur à chaque fois que tu fais ça. Hein. Ces sortes de carte mère, les altab, ils aiment pas. Hein. Tu sais que tu pourrais écouter le Dark Angle qui arrive. Pour écouter les doux bruits des klaxons. Ah si. La touche qui est un peu claquée. La touche elle est morte. Un peu trop vieille cette manette. Hein. J'aime bien la manette, mais elle date pas d'hier quand même. Je pense qu'elle est un peu vieille. Ouais, elle est un peu déglingosse. Coup du volant, succès déverrouillé. J'ai pris un mur du coup et tout. J'étais pas prêt. Je fais un AVC. C'est quoi, fou du volant? Je sais pas. Je sais pas. Ah, mon camion est mort là. Bah ouais. Ah oui. Ah je. Genre t'es mort. Bah écoute ça. Écoute ça mec, c'est le son lourd de la rue. Attends, je vais chercher de la réponse. Si je me mets juste en prompt. Même en première, je peux plus rouler là. T'as pris un combien contre le mur? Je sais pas. Moi, je t'en ai mis en deuxième. Très peu de dégâts quoi, en somme. Bon, pour l'instant, là, en fait, ce que je vais faire, tu vois, c'est une bonne chose en vrai ce qui vient de nous arriver. Ça me permet d'aller placer le gros. Voilà. Je prends mon gros. Pour l'instant là. Quand tu ramènes de la répa. Ça fait plus de marche. Après, j'ai mon A469 qui peut réparer aussi. Alors oui, c'est de la marche arrière donc c'est forcément chiant. J'ai tapé une marche arrière avec mon camion, j'ai consommé 3 litres. Mais j'arrive! T'es sûr hein? Parce que là, je trouve que t'avançais pas beaucoup. Hein. Fou, je vais t'accidenter. Je vais arriver, je vais te faire faire un accident. Comment? Je fais des drifts infinis avec la 469, c'est dingue. Ma petite remorque, répare-moi ça, voilà. Coup de secours, voilà. Coup de secours, répare-moi ça. Un coffre, répare-moi ça, là, voilà. Carburant, allez, recharge-moi ça. Voilà, changer de camtar. Non? Mais non, personne ne peut jouer ça. C'est nul. C'est nul. C'est lequel? Ouais, c'est celui-là. Voilà, je me suis auto-dépanné moi-même parce que je suis un professionnel. Ah, l'autre qui vient pour me mettre 23 de réparation, quoi, la blague. Je suis déjà parti, quoi. Et en plus, je vais arriver, il y aura un camion de carburant qui va me gêner, quoi. Tu te rends compte, avec mon petit A là, je me suis quasi full réparé et je me suis rendu tout le carburant du monde. PTDR, t'étais où? Ah, mais c'est déjà de la bouillasse ici! Ah non! Ah non, je suis du game! Ah non! J'ai fait un blocus! Vous ne passerez! Oh, je vais pas terminer cette mission en moins de 2 heures! Je suis un monstre! Mais ce camion est monstrueux! Narfang, on peut pas terminer la mission en 2 heures! Ça fait 2 heures là! Qu'est-ce que tu fais? 2 heures et demie, on ne peut pas! C'est légal! T'as le droit!
sûr, avec une petite dérogation. Non, c'est pas strict légal. Non, normalement c'est 6 heures. Et c'est de ta faute ça aussi. Pourquoi t'as pas... Tu veux qu'on aille désembourber tous tes camions? Voilà. Y'en a aucun qui sont embourbés. Quoi? Aucun. Eh mec aussi, si tu te donnes pas les moyens, hein, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, hein, on va être obligé de mettre fin à la vidéo. Oh, attends, y'a juste le K700 qui est dans 3 arbres. Ah bah attends, on va aller débloquer un K700. Alors je vais aller débloquer mon K700 avec ce bois long sur mon dos, avec ce camion. On fait ça? Allez, ça me paraît une excellente idée pour allonger le temps de la vidéo. Tu veux pas bouger ton gros cul de camion nul? Merci, c'est agréable. J'ai cassé mon moteur. Ça, c'est bien dommage. Tu viens de lancer ma remorque. Voilà, je t'ai réparé moi-même. En fait, je pouvais me réparer depuis le début. Hein. Parce que j'ai le droit de secours, en fait. Et moi, mec, tu vois, j'essaye de créer... Voilà, j'essaye de... Tu vois, j'essaye de créer de l'aventure, de l'épopée, de rallonger le temps, quoi. Ouais, ouais, je vois ça, ouais. Ah, j'ai eu 4 ronds d'un coup. Ah ouais, ça veut dire que le jeu est enfin strict legal. Comment t'arrives à avancer aussi vite dans de la mélasse comme ça? Avec mon camion. Un plus intégral, ouais. Bloc différentiel. Ouais, merci, au revoir. Ah oui, c'est avec le et je consomme 43 litres. Ah oui, oui, non, mais c'est l'autre qui tire devant. Je me disais, putain, il avance vachement vite. Attends, trop fort quoi. Trop le meilleur camion du monde direct. Putain, en fait, on a pas le même camion quoi. C'est ça, je suis fait escroquer sur mon camtar. Si, ils ont démonté le bloc différentiel, la transmission intégrale, les enculés. Bien joué. 2h22 minutes tour. Alors, grâce à moi, on a 1554 litres cramés. J'avoue, j'ai dû cramer 200 litres en fait. Moi, j'ai dû faire déjà le plein du gros. Je suis à moins de la moitié là encore. Comment dire, j'ai cramé rien qu'avec le gros, j'ai cramé au moins 800 litres. Juste avec le gros. Putain, tellement... Après, tu rajoutes le K700 qui a roulé un petit peu, tous les autres capteurs que j'ai déplacés. C'est surtout le gros. Hein. Là, le gros à lui tout seul, c'est plus de 800 litres. Incroyable du cul! Bon bah tu peux dire au revoir aux gens hein, maintenant, hein. Dégoûté. Ah bah hein, adieu maintenant qu'on a fini. Bah voilà, hein, des bisous. Hein. On se retrouve sur SnowRunner. Ciao.